Alors, je m'appelle Sarah Kadour, j'ai 24 ans. Voilà, je suis boxeuse professionnelle. J'ai toujours grandi à Clichy. Je suis née ici, j'ai habité ici, j'habite ici et je mourrai ici. Donc voilà. J'ai commencé la boxe à 4 ans dans un club au KFBC Clichy. Donc voilà, j'ai commencé à 4 ans et mon coach depuis petite, c'est Cédric Anad, qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui mon coach. Donc ça fait 20 ans qu'il me suit. Et voilà. Alors si, j'ai boxé de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc entre-temps, j'ai fait 30 fois championne de France, j'ai fait championne d'Europe et championne du monde. Ensuite, j'ai arrêté pendant 5 ans par rapport à ma vie familiale. J'ai deux enfants. Et après voilà, j'ai repris il y a un an et demi à peu près. À l'époque, quand j'ai commencé étant petite, même à l'adolescence, c'était assez compliqué parce que ça restait un sport d'homme. Et pour te faire ta place, vraiment, il fallait batailler. Ça veut dire même quand j'ai été championne du monde, pour faire ta place, on te dit ouais, les championnes du monde, mais tu vois, c'est tout. Mais un homme qui est championne du monde, tu sais, c'est quelque chose, tu vois. Mais après, les temps ont changé, tu vois. Il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à faire des sports de combat. Donc le sport, en fait, ça a pris une autre tournure, tu vois. Donc aujourd'hui, une femme qui fait un sport de combat, c'est plus choquant comme avant. Et d'autant plus maintenant, quand les gens savent que tu as des titres, etc., et c'est un peu plus glorifiant, on va dire. Bien sûr, ça choque les gens. C'est comme une fille qui fait du foot ou vraiment un sport de mec. Une fille qui fait du foot ou qui fait de la boxe, on te dit quoi? C'est un garçon manqué. Ah, on va pas l'approcher, on va pas parler d'elle. Ah, c'est sûr, c'est une nerveuse, c'est sûr, elle se bat. Alors que pas du tout. En vérité, en temps général, je suis très très timide. J'aime pas me faire remarquer. Ça veut dire, même étant avec tous les titres que j'ai, avec tout le palmarès que j'ai, je déteste qu'on en parle. C'est-à-dire, j'aime pas dire ah elle est championne du monde. Oh là là, non, j'aime pas du tout. Tu sais, je me cache, j'aime pas trop trop qu'on en parle, tu vois. Mais voilà quoi. Surtout les femmes, de se dire qu'elle a réussi à faire de la boxe à haut niveau, elle a arrêté, elle a eu des enfants, elle est revenue, et elle est encore dans le haut niveau, ça donne de la force à certaines femmes, tu vois. Mais après, choquée, non. Choquée dans le bon sens, on va dire. Avec un œil gentil, entre guillemets, tu vois. Donc voilà. Mon père, moi et mon frère et mes sœurs, il nous a inscrits à la boxe pour apprendre à se défendre. Tu vois. C'était pas pour un but précis, parce que j'ai commencé, j'avais 4 ans. Donc il n'y avait pas de but. Et la première phrase que j'ai dit à mon père après un entraînement, je lui ai dit, papa, tu verras que je deviendrai championne du monde. Après le premier entraînement que j'ai fait, j'avais 4 ans. Et il a rigolé. Il m'a dit, ouais, d'accord et tout. Sauf quand j'ai commencé à devenir championne de France plusieurs fois, une fois, 10, 20, 30, il a dit, ah ouais, elle a vraiment un niveau. Boxeuse, à l'époque, il y avait Amel Deby, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Après, en boxeur, j'ai mon coach, hein, Cédric Anad, qui a été championne du monde aussi. Donc ça a été vraiment mon modèle avec qui, entre guillemets, j'ai grandi, j'ai ouvert les yeux. Donc ça a été mon modèle depuis toute petite et c'est lui qui m'a pris entre ses mains depuis petite. Donc j'ai vraiment grandi avec lui et ça a été l'une des personnes qui a cru en moi. Je me présente, donc Cédric Anad, j'ai 43 ans, je m'occupe de Sarah depuis son plus jeune âge. Moi à la base je connaissais très bien son père, c'est dans l'athlétisme, un compétiteur dans l'âme. Et je ne me suis jamais posé la question comment elle est arrivée dans la boxe. En tous les cas, je sais que dans le sport elle allait y arriver, ça c'est clair. Elle a fait championne d'Europe et championne du monde et ensuite elle a arrêté cette carrière pour la vie de famille. Donc c'est jamais évident de revenir. Elle est revenue et là elle reprend les combats et pour l'instant on fait un sans faute, même s'il y a eu des combats un peu difficiles. De toute façon, il n'y a pas de combat facile. Hein. Et voilà, donc Sarah déterminée, toujours à se dire je peux y arriver. Là dans la boxe, il n'y a pas, j'ai envie de dire, quand je dis il n'y a pas de sexe, ça veut dire une femme elle peut faire autant de performances qu'un homme. Évidemment, la force d'un homme elle est différente par rapport à une femme, mais ça peut faire un très beau combat, une femme et femme. J'ai ma fille qui va avoir 5 ans et mon fils 3 ans. Après, je les entraîne, hein. Je leur apprends les bases, etc. Mais après, mon fils, je vais le mettre dans la boxe, oui, et dans le foot, parce qu'il a un don, on va dire. Et ma fille, dans l'athlétisme. C'est à toi de faire tes preuves, c'est à toi de montrer, malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça veut dire malgré que j'ai pu prouver comme je pouvais, une femme reste une femme. Ça veut dire une femme, elle restera toujours en dessous de l'homme. Et des mecs qui savent que tu fais de la boxe, ils vont toujours te titiller. Je veux dire, entre guillemets, les gens qui ont quelque chose à prouver.
Ça veut dire que tu vas marcher, il va dire ah bah elle est bonne, elle, non, non, non. Tu vois, une fois, deux fois, tu réponds pas, troisième, tu es obligé d'ouvrir ta bouche. Parce que tu as vu, on est dans une génération où si tu parles pas, bah, les gens ils te marchent dessus. Donc tu es obligé de parler, dès que tu parles, les mains, les hommes ils aiment bien être tactiles. Tu comprends pas pourquoi, tu vois. Dès qu'ils sont tactiles, tu es obligé de riposter toi aussi. Et dès que tu ripostes, bah ils sont sur les fesses, entre guillemets, excuse-moi du terme, mais ils sont choqués. Mais ils se permettent de faire trop de choses alors que personne leur a rien demandé, tu vois. Donc t'es obligé de te défendre un peu, tu vois. Après c'est pas bien, attention, c'est pas bien, mais quand il faut te défendre, tu te défends. T'as des mauvaises phrases d'hommes, tu vois, après t'as des mains un peu baladeuses, à ce moment-là t'es obligé de remettre les points sur l'i et la barre sur les t. Donc tu le fais correctement et tu te barres. Ah, ma fille, moi je lui apprends à se défendre, hein. Je lui apprends les bases, et si se passe quoi que ce soit, ma fille, défends-toi. Défends-toi parce qu'on est dans un monde où la violence, entre guillemets, elle a été banalisée, c'est normal. Donc automatiquement, apprends, défends-toi. Par exemple, j'ai fait des espèces de portes ouvertes, entre guillemets, dans les hôpitaux. Tu vois, je suis partie, entre guillemets, montrer ma ceinture de championne du monde à des petits qui avaient envie d'eux, tu vois. Je suis partie leur faire un peu de pattes d'ours. Je suis partie leur expliquer un peu la boxe, etc. C'est vraiment, j'essaye au maximum d'être présente humainement parlant. Alors de base je conseille à personne de se battre, chose entre guillemets normale, sauf qu'après, comme je disais tout à l'heure, dans certains cas t'es obligé de te défendre. Par exemple, moi je me suis retrouvée dans des situations où je vais aller sur les champs, t'as un mec qui va venir derrière toi, il va te parler, tu vas pas lui répondre une fois, deux fois, trois fois, il va se permettre de jouer avec ses mains, de toucher les fesses, tu vois, de toucher ta poitrine, rentrer sa main. Donc automatiquement toi tu te sens quoi, agressé dans ta vie intime? Je dis, attends, le mec, je le connais pas, il me suit parce que j'ai pas envie de lui parler ou parce que j'ai pas envie de lui donner mon numéro. Le mec se permet de faire ça, mais si c'était le contraire. Si nous, on faisait ça. S'il y a des mecs, on leur parle et tout, ils veulent pas comprendre et tout, hop, nous, on va leur toucher les fesses. Ils vont se chercher quoi, mais c'est une bête de ouf, non, 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 mais pourquoi vous permettez en fait? Donc, du moment où ils ont ce truc de se permettre de faire des trucs comme ça, automatiquement, on est obligé de se défendre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de femmes qui apprennent. Les bases des sports de combat, juste pour apprendre à se défendre face à des personnes entre guillemets idiotes qui font ça. Tu vas, tu es dans la rue, tu es en train de marcher avec ta copine, tu vas manger, tu te retrouves avec un gars qui touche les fesses. Bah, tu te retournes, tu l'enfouines pour qu'il comprenne bien qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Tu vois? Ou par exemple, une fois, je suis sortie, j'étais avec une copine et on voit un homme qui frappe sa femme dehors. Tu vois? Ça veut dire on essaie de s'interposer, mais on n'ose pas trop. Je lui dis, s'il te plaît, arrête de taper, là, là, là. Et là, le mec, il me dit quoi? Ouais, c'est ma femme, je fais ce que je veux. Mais de base, même si t'es marié, ça fait 50 ans, personne n'appartient à personne. C'est-à-dire, si la femme veut se barrer demain, elle se barre. C'est-à-dire, il s'est permis de la taper sous prétexte qu'elle lui appartenait. Mais non, je lui ai dit, mais elle t'appartient pas. Il me dit, ouais, vous les femmes, genre solidarité féminine, tu vas faire quoi? Ben, il s'est mangé un coup de pied dans la tête et il est tombé sec. Et tu oses, limite, montrer que la place de la femme, elle était par terre, comme si c'était une chienne. Et que l'homme, entre guillemets, a le droit de tout faire. Mais c'est pas comme ça. Viens, essaye de faire ça avec moi. Sans prétention, encore une fois. Hein. Essaye de faire ça avec moi, tu vas voir si tu vas oser parler. Il s'est relevé, il s'est barré. Il m'a dit, excuse-moi, il s'est barré. Et on est presque en 2021, où la violence envers la femme, les violences conjugales, etc., sont normales. En fait, ça a été normalisé, tu vois. Donc tu veux quoi dans un monde où c'est normalisé? Comment tu veux faire comprendre aux gens que c'est pas normal? Comment tu veux faire comprendre aux gens que l'égalité homme-femme doit exister? C'est-à-dire la femme, elle doit être à la hauteur de l'homme. Question salaire, question travail, question tout, même vie quotidienne. Comme nous, les femmes, on se permet pas d'aller toucher les fesses des mecs, pourquoi eux se permettent? Sous prétexte que c'est des hommes, sous prétexte qu'ils n'ont rien à voir? Eh ben non. Quand tu tombes avec des gens comme moi ou d'autres personnes hein, qui se laissent pas faire, eh ben tu manges. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je déteste la violence. Hormis la boxe, comme je te disais, je suis quelqu'un de très, très timide et j'aime pas du tout me battre, j'aime pas me faire remarquer, etc. Mais t'arrives dans des situations comme ça où t'es obligé de montrer ta force, entre guillemets. C'est pas bien, c'est pas ce que je dis de faire, mais j'ai certaines filles que j'entraînais qui me disaient, je me suis fait violer. J'ai mon copain, il abuse de moi, j'essaye d'arrêter avec lui, ça marche pas, etc. Donc à un moment donné, elle est obligée d'apprendre à se défendre, tu vois. Et on est arrivé dans un monde où on n'a pas le choix. En fait, la femme, elle doit faire sa place comme ça, en se tapant comme un mec. Et on est obligé. Parce que sinon, comme tu vois, dans des situations, dans des cas d'exemple que je t'ai donné, ils se permettent de nous cracher dessus et de nous écraser. Si
c'est une fille, une jeune femme que je connais et qui est, comment dire, qui est remplie de motivation. Elle ne lâche pas, c'est vrai, ça fait quelques années déjà que je vais pas dire que je la suis parce que je vais pas faire de mytho. Par contre, non mais c'est vrai, je la suis pas. Mais on va dire je la suis malgré moi parce que je la vois tout le temps. Je la vois tout le temps boxer, je la vois tout le temps s'entraîner. Donc elle forge vraiment le respect, elle force le respect parce qu'elle lâche pas, c'est une combattante. Que ce soit dans la vie de tous les jours comme dans le sport, kickboxing. Et respect pour ça parce que c'est l'une de mes grandes qualités aussi, le fait que je lâche pas. Et je retrouve ça en elle. Donc je suis très content de la voir à chaque fois, interview, à chaque fois, nouveau sponsor, à chaque fois, nouveau combat. Donc c'est bien, je la motive, je l'encourage tous les jours. Et je suis persuadé qu'on va entendre parler d'elle encore prochainement. Je fais des cours que pour femmes le dimanche. De plus en plus de femmes qui viennent, qui te disent « Ouais, j'ai subi une agression, c'est pour ça que je viens. » Ou « J'ai des problèmes avec mon ex-mari. » Ou « J'ai été victime de violences conjugales. » Ou « De viols. » Ou « De trucs. » T'es touché, tu vois, tu te dis ah ouais, d'accord, t'es obligé de prendre ça au sérieux. La police, ça sert à rien. Franchement, dans des cas où j'ai été, entre guillemets, personnellement, dans des cas de violence, etc., tu portes plainte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et en fait, t'attends de mourir sous les coups d'une personne pour qu'ils se disent ah ben oui, non, mais en fait, elle a porté plainte. Ouais, mais quand j'ai porté plainte, tu vois, quand on. Pour X raisons, tu fais une mesure d'éloignement. Vous étiez où quand je vous ai appelé pour vous dire ouais, ah bah il est là ou il fait quelque chose. Vous n'étiez pas là. Donc vous plaignez pas après quand la famille porte plainte contre la police. Tu vois ce que je veux te dire? Donc t'as des bons, t'as des mauvais comme dans tout. Hein. T'as des bonnes personnes, t'as des mauvaises personnes et tout. C'est la police pareil, les pompiers, tout ce que tu veux dans tout le corps de métier, t'as ça. Mais on arrive dans une génération où il y a beaucoup de violences policières, de bavures policières. Donc comment toi tu veux faire confiance à des personnes qui, eux, pour eux la violence c'est normal. C'est-à-dire ils vont aller, ils vont frapper, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais pour eux c'est normal, c'est de la légitime défense. Tu vois. Donc toi tu te sens pas en sécurité à te dire ah ben je vais dire à cette personne, c'est sûr elle va me protéger. Eux-mêmes ne protègent pas les citoyens français, parce que, du moins on est en France. Eux-mêmes nous protègent pas. Donc tu fais quoi? Ben tu te défends toute seule. D'ailleurs moi j'élève seule mes enfants. Ça veut dire moi je me suis séparée du papa des petits et pour X raisons, que ce soit avec lui ou une autre personne, tu vois. En fait, quand tu portes plainte, quand la femme porte plainte, et bah t'en as toujours un ou deux qui vont pas prendre ça au sérieux, tu vois. Tu sais ce que tu meurs. Et bah même avec mes enfants, aujourd'hui, t'es obligé de porter la casquette du père, de la mère, du protecteur, du maître, de la maîtresse, de la psy, tout. Quand t'as des enfants, c'est encore pire. T'as des enfants, c'est... Tu peux pas. En fait, tu dois être la lionne. T'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de... Même si tu te manges des balles dans le dos, bah t'es toujours debout. Et c'est ce qui se passe entre guillemets dans ma vie, ça veut dire que je me suis mangé des balles, j'en ai eu des écorchures, plein de choses, tu vois, des coups de couteau et tout, mais je suis obligée de rester debout. Parce que j'ai pas le choix, parce que si moi je suis pas là, il y aura personne pour eux. Je peux pas me permettre de les laisser dans une génération comme ça. Je suis obligée des petits de les forger pour qu'ils comprennent que la vie c'est pas comme ça, la vie c'est pas un jeu. C'est pour ça que je les emmène, je les fais boxer et tout, malgré ils ont un petit âge, hein, tu vois. Malgré c'est encore des enfants qui ont que 5 ans et 3 ans, ben je leur apprends la vie des petits. Que si demain, que Dieu m'en éloigne, j'en viens à partir, tu vois, et ben ils savent ce qu'il faut faire. Sans mes enfants, je sais pas comment j'aurais fait. Vraiment, c'est mes bébés. Mes bébés, c'est ma vie. Et après, ma famille aussi, beaucoup, 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 parce que je suis très, très proche de ma famille. De ma mère, de mon père, de mon frère, mes sœurs. Et aussi, je disais tout à l'heure, j'ai une sœur handicapée qui a que 2 ans d'écart avec ma fille. On est vraiment un noyau. On est très très proches et nous, parce que moi, j'ai pas de famille ici. C'est-à-dire, j'ai que ma mère, mon père, et mon frère et mes sœurs, mais j'ai pas de grands-parents, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'ai pas de cousine, j'ai personne. Donc vraiment, on a été élevés entre nous. Ça veut dire, nous, dans notre famille, ma mère, elle disait quoi? Avant même qu'il y en a un qui tombe, ton frère, il t'a déjà relevé avant même que tu touches le sol. C'est une phrase qui nous a bercé depuis petit et voilà, on a essayé de jamais toucher le sol, qu'on avait toujours un step qui venait nous porter quoi, tu vois. Donc voilà.